Bonjour à tous, je m'appelle Clara Font, je suis directrice d'exploitation au lycée agricole Jean Monnet à Vic-en-Bigorre dans les Hautes-Pyrénées. L'exploitation du lycée agricole compte 70 hectares de SAU, un atelier bovin laitier comprenant 60 vaches Primolstein et Brune des Alpes et une soixantaine de génisses. Nous disposons également d'une unité de méthanisation en cogénération d'une puissance de 190 kW électriques. Pour limiter la propagation du virus, nous avons mis en place les gestes barrières, donc en réorganisant le planning des salariés de façon à ce qu'ils ne se croisent pas sur l'exploitation. Donc les deux salariés ne travaillent jamais en même temps sur l'exploitation ou alors uniquement si un réalise des travaux dans les champs, ce qui est compliqué en cette période hein, puisqu'il y a beaucoup de travail et donc ça occasionne une fatigue hein, chez les salariés qui commencent à se faire ressentir. Comme beaucoup de laiteries, hein, la nôtre nous a demandé de diminuer la production laitière hein, entre 2 et 5 %. Nous avons choisi de tarir les vaches plus tôt, donc notamment deux vaches ont été taries à 5 mois de gestation. Nous avons fait le choix également d'élever les veaux au lait entier plus longtemps. Nous avons actuellement 9 veaux à élever au lait entier qui consomment donc à peu près une centaine de litres de lait par jour. La crise actuelle du coronavirus impacte également sur la consommation de viande. Nous sommes également contraints de conserver des veaux de boucherie un peu plus longtemps. Avec bien sûr un prix qui est en diminution alors qu'il n'était déjà pas très élevé.